retrouve aujourd'hui pour une vidéo action. Attendez, il y a mon fils qui me met un message. Ah ben, message de mon fils, il arrive à 14h. J'ai rien fait. J'ai pas fait le lit d'Angelina, j'ai rien fait du tout. Bon, c'est pas grave. Alors, Jean, que je vous retrouve pour un haut l'action parce qu'en fait, je devais y aller, normalement, je dois y aller demain matin avec ma petite fille. C'est ce que j'avais programmé pendant que les hommes iraient faire les courses. Et du coup, je suis allée en repérage, ce matin, avant d'aller faire 3 courses pour ce soir pour manger. J'ai mon petit... Alors, évidemment, je n'avais pas pris de sac parce que je me suis dit, t'achèteras rien. Et en fait, j'ai pris le gros sac d'été, là, vous voyez, il y a tout des... Je ne sais même plus si je l'avais déjà pris, je crois que oui, mais je ne sais plus. Alors, j'ai pris des bêtises et pas trop de bêtises, non. Alors, le truc le moins drôle, c'est un chargeur pour mon téléphone. Et en fait, ici, il y avait marqué... J'avais pas mes lunettes, il y avait marqué 2. Alors, j'ai dit, c'est bien 2 mètres, mais non, c'est 1,50 m, donc tant pis. Donc je vous mettrai les prix hein, comme d'hab, comme je fais d'habitude en haut. Donc j'ai essayé sur mon téléphone, ça va bien, mais en fait je voulais un truc à rallonge. Mais bon, c'est 1,50 m, c'est pas beaucoup. Ensuite j'ai pris un rideau occultant. Donc la dimension c'est 140 par 2,60 m, donc nous c'est pile poil parce que je vous ai dit on a des plafonds hauts. Et dans la chambre, il faut vraiment du 2,60 m. C'est occultant, c'est pour la chambre de mon fils là, qui arrive. On a juste là, il y a juste un double rideau vert. Et puis c'est vrai que en été, le jour se lève plus tôt. Et donc là, peut-être qu'il dormira un petit peu plus. Voilà, donc ça. Ensuite, j'ai dit, tiens, je vais tester ça. Une moustiquaire pour un lit de 2 personnes. C'est pas parce qu'on a des moustiques à la maison, non, à la maison il fait trop froid, les moustiques ils tiennent pas. Mais en fait c'est pour mettre sous mon figuier, pour entourer le transat. Parce que sous le figuier je n'arrête pas de me faire bouffer par les moustiques. Donc c'était vraiment pas cher, il y a 10 mètres d'envergure. J'ai tâté, il y a le petit cerceau en haut, il y a un truc d'attache mais je vais éviter de visser sur la branche, hein, ça me fait mal au cœur, je me dis mon Dieu, l'arbre il doit souffler, enfin bref. Et donc je vais trouver un système pour attacher et pour l'enlever facilement parce que sinon de blanc il va passer à noir. Hein, et puis il risque d'avoir, il y a beaucoup de pies là qui se battent pour les cerises avec des oiseaux et tout, ils vont tout me pourrir, donc bon, en même temps ça passe à la machine. Mais je vais tester ça. Donc, écoutez, pour moi, c'est bien. Hein. Ensuite, je suis passée devant le rayon pour la piscine. Donc, en fait, j'en avais déjà. D'ailleurs, je l'ai gonflé, il est là. Voilà, c'est pour mettre les verres quand on veut boire un coup dans la piscine. Alors, j'en ai un, puis j'en ai un qui n'est pas gonflé. Là, j'en avais acheté 2 l'année dernière, je ne sais plus où. Et là, du coup, y en avait. Alors, il y en a un, c'est joli, on dirait une licorne. Regardez, c'est tout joli. Et j'ai pris celui-ci. Alors, je ne sais pas ce que c'est non plus, mais à chaque, il y a le petit cocotier, le petit palmier, là, comme ça, vous voyez. Hop, hop. Ah, moi, je trouve ça super sympa. Est-ce qu'on va s'en servir? Je n'en sais rien. Ensuite, je n'ai pas hésité. J'ai pris le numéro 12 des Sudoku. J'ai pris le numéro 12 parce que j'ai bien regardé celui que j'ai, c'est le numéro 11. Donc j'ai tout retourné la pile parce qu'il était au fond, il n'y en avait qu'un. Non, deux. Donc j'en ai pris un. Voilà, donc là je suis contente. Ensuite, j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai acheté les perles là que j'ai vues dans le monde de Anna. Alors c'est pour faire... moi je trouve que ça fait des... C'est joli au niveau des perles là, c'est des petits cubes, c'est des lettres, c'est des... Voilà, il y a des émoticônes. Là, vous avez des émoticônes ici blancs avec les smileys dorés. Ici, vous avez de l'argent avec l'argent vieilli avec des émoticônes noirs. Enfin voilà, c'est joli. Et par contre, alors ils vous mettent une ficelle et une attache, mais moi je pense que
Je vais les prendre des. Je ne sais pas, j'en ai pas acheté. Un élastique, vous savez, comme ça on enfile tout de suite le bracelet. Et voilà, par contre, les attaches, il y en a une, deux, il y en a deux, trois. Oh, il doit y en avoir. Combien il y en a d'ailleurs, ça doit être marqué. Non, ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai pris avec. J'ai pris ici dans les tons blanc, c'est cuivré, noir, les perles, c'est dans les couleurs blanc cassé et cru. Et là, j'ai pris, donc, il y a beaucoup de petites couleurs. Il y a du rose, celui-là est joli, il y a du noir, de l'argent, plein de petites couleurs, là, comme ça. Alors que là, c'est noir et blanc. Moi, je trouve ça super joli. Voilà, donc ça, je les voulais. Et en fait, elles n'étaient pas dans le rayon quand je suis rentrée. Parce que quand on rentre dans le magasin, vous connaissez, il y a les promos à gauche ou à droite, ça dépend du magasin. Et vous avez les loisirs créatifs adultes. Eh bien, il n'y avait rien. Ah, il y avait des diamonds, je n'ai pas pris parce que franchement, ils ne me plaisaient pas et puis j'en ai trop. Et à un moment, je ne sais pas, j'ai fait le magasin dans l'autre sens. Et puis, eh ben, il y avait par terre ce petit carton plein de ça. Alors j'ai choisi, je demandais si ça allait passer à la caisse, si c'était en bas. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, le prix est enclenché. Donc voilà, j'étais hyper, hyper contente. Voilà. Et ensuite, alors là, c'est pour Elodie Lina. Elodie Lina, regarde, regarde, regarde. Tu vois, j'ai pensé à toi. Alors, j'ai pas trouvé les petits objets en genre Lego, là, des animaux. Il n'y avait pas. Par contre, j'ai pris tout, enfin, dans le rayon. Alors, j'ai pris la licorne. Moi, je l'ai. Toi, apparemment, tu l'as pas. Là. Ça, je ne sais pas si tu l'as. Mais moi, du coup, je ne l'ai pas. Et j'en ai pris deux si jamais tu l'as pas. Voilà. Ensuite, la tortue, j'ai vu que tu l'avais pas. Donc, j'ai pris la tortue. Le perroquet, tu l'avais pas, mais moi non plus. Donc, je me garde le perroquet. Ça, tu l'as, je crois. Et je l'ai pris parce que moi, je ne l'avais pas. Celui-là, je ne l'avais pas, donc il n'y en avait qu'un, hein, parce que voilà, donc je me le garde, et voilà. Donc pour toi, il y aurait l'ours avec son bébé, la tortue, le dinosaure, là, et la licorne, voilà. Mais je t'envoie tout ça par mail, avec la photo, et tu me diras exactement ce qu'il en est, en sachant que, comme prévu, j'y retourne avec ma petite fille, mais j'irai à plan de campagne. Donc, à plan de campagne, il y a deux magasins Action. Donc, je ferai d'abord le petit et ensuite je ferai le grand. Et tu m'auras dit d'ici là par mail ce qui te manque par rapport à ce que je t'ai proposé, là, les quatre. Parce que je te dis ceux-là, je me les garde. Hein. Je ne suis pas égoïste, mais je ne les ai pas. Alors, si après il y en a d'autres dans l'autre magasin, t'inquiète, je prendrai. Voilà. Voilà, donc bah, écoutez, tout ça, c'est mon haul action. Voilà, ah non, j'ai oublié, mais j'oublie toujours quelque chose. Il y a le tapis là qui était en promotion. Alors ce tapis, je vais le mettre devant l'évier et la cuisinière. Il fait 65 par 180. Alors c'est une matière anti-adhérente. Voilà, et je l'ai pris couleur marbre noir. Voilà, ça rend un petit peu ça, voilà. Il y a plus de noir, hein, en fait, voilà. Et voilà, donc il était en promotion de la semaine. Et il en restait un comme ça. Parce que les autres ne me plaisaient pas, c'est des couleurs claires. Et des couleurs claires devant une cuisinière, c'est même pas la peine, quoi. Ni devant l'évier, c'est même pas la peine. Voilà, donc ben, mon petit haul de chez Action, je suis contente. Avec Angelina, on va peut-être fabriquer des petits bracelets, on verra bien. Suivant. Mais non, mais j'ai pas d'élastique, alors il faudrait que je trouve un. Parce que j'ai vu qu'il y avait chez Action, il y avait d'autres kits pour fabriquer carrément. Donc vous aviez le matos, tout machin. Donc là, il n'y en avait pas. Donc je verrai un petit peu. Donc il y a les trucs là comme ça qui font faire comme ça. Et voilà! Et mon fils arrive d'ici 1 heure. Donc eh ben, écoutez, je vais me dépêcher. Je n'ai pas fait le ménage. Je vais donner un petit coup d'aspirateur par terre. J'ai bu mon café. Je suis allée. Alors écoutez-moi bien. Vous savez qu'il y a pénurie de moutarde, d'accord? Donc, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée au il y a un nouveau magasin bio sur la route, je me suis arrêtée pour acheter des graines de moutarde parce que j'ai vu qu'on pouvait fabriquer sa propre moutarde soi-même. C'est facile en plus, je vous mettrai la recette.
Et donc, eh bien écoutez, dans ce magasin bio, j'ai discuté avec une personne très gentille. Je lui ai montré ma vidéo de prix des moutardes. Il y comprenait pas, il disait, mais c'est pas possible. Et il me dit, mais nous, par contre, la moutarde, on la fabrique, on a nos graines et tout. Et j'ai dit, oui, mais moi, j'aime que la moutarde normale. Il me dit, c'est de la moutarde normale, venez voir. Et il me montre, et la moutarde est vendue au détail à 3,99 € le kilo. Donc, vous emmenez juste votre pot et donc votre récipient. Et c'est ce que je vais faire. Donc, demain, je passe devant avec Angelina. Et donc, je vais aller chercher ma moutarde. Et j'ai commandé de la graine de moutarde pour pouvoir vous montrer la fabrication de la moutarde normale classique. Voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce que franchement, par les temps qui courent, c'est bien d'avoir de la moutarde normale. Parce que c'est vrai que la moutarde à l'ancienne, alors on en trouve. Moi, j'aime pas. Je trouve que ça gâche les aliments. Enfin, ça donne un goût particulier aux aliments. Voilà. Et moi, j'aime bien la moutarde normale. Ensuite, j'ai fait mes petites courses à Lidl, tati tata pour ce soir. Et du coup, je suis allée prendre un hamburger, les nouveaux hamburgers avocado, là, chez McDo. C'est super bon. Bon, c'est 6,80 € le hamburger quand même. J'ai pris que ça. Et quand je suis arrivée, il était midi, donc je me suis installée et j'ai mangé mon hamburger. Et ils sont super bons. Enfin, moi, je me suis régalée, j'ai rien. Si, j'ai mangé des petits Suisses avec, et c'est tout. Et il me restait un fond de bouteille de coca, il n'y avait plus de bulles. Et donc, du coup, ben, j'ai mangé ça à midi. Et maintenant, je vous fais le haul. Le haul, je vais essayer de le faire sortir pour 14 h. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que ce haul de chez Action vous aura plu, vous aura donné envie d'y aller. Enfin, peut-être pour les perles, peut-être pour la moustiquaire aussi, parce que par les temps qui courent, les moustiques, il y en a beaucoup. Après, c'est des petites bêtises, hein, voilà. Mais bon, après, il y a d'autres choses, bien sûr. Voilà, je vous souhaite donc de passer un excellent après-midi. Et prenez bien soin de vous, hydratez-vous, il fait chaud, et moi je vous dis bye.